Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cuisine Time. Aujourd'hui, nous allons réaliser une pizza de A à Z, d'une méthode simple, avec un résultat professionnel. C'est parti! On commence par la première partie de la pâte. On va faire ce qu'on appelle un polish. Je rappelle qu'il y a différentes façons de faire la pâte à pizza. Ici, je vous montre la mienne et on verra dans de prochaines vidéos d'autres méthodes. Peser 150 g d'eau, 5 g de levure fraîche et 150 g de farine. Mélangez l'eau et la levure, puis ajoutez la farine et mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Couvrir la pâte et la laisser pousser à chaleur ambiante. Pendant ce temps, on va faire la sauce avec 1 kg de tomates fraîches, bien mûres et bien rouges, un gros oignon émincé et de l'huile d'olive. Après avoir lavé les tomates, les épluchez et les mettre dans un bol. On ajoute l'oignon et on mixe. Ensuite, on met dans une grande casserole de l'huile d'olive et la purée de tomates obtenue et on cuit à feu doux environ 45 minutes. Si vous désirez une couleur plus foncée, vous pourrez ajouter du concentré de tomates. Moi, j'ai préféré garder ma sauce naturelle. On met la sauce dans un bol et on prépare les ingrédients suivants. Une gousse d'ail, 25 g d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de miel, 5 g d'herbe de Provence, 5 g de basilic frais ou surgelé, 6 g de sel et 3 g de poivre. On met l'ail dans l'huile d'olive et on mixe. On ajoute le miel à la sauce et toutes les épices, puis on mélange. Vous obtiendrez une délicieuse sauce à pizza. Préparez maintenant les ingrédients pour la pâte à pizza. Le polish qui aurait doublé de volume est fait de grosses bulles d'air, 350 g de farine, 150 g d'eau, 25 g d'huile d'olive, 5 g de levure fraîche et 6 g de sel. On met dans un bol l'eau, la levure, la farine, le sel et l'huile et la première pâte. Puis on pétrit pendant 10 minutes. Jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante. Formez une boule, couvrez la pâte et la laissez pousser pendant 45 minutes. Après ça, prendre la pâte et peser des pâtons de 350 g. Faire des boules et laisser pousser encore 30 minutes.
réchauffer le four à 220 degrés. On prépare maintenant le moule à pizza en le graissant. On étend la pâte de plus grande largeur que le moule. Foncer le moule, puis mettre la sauce en laissant 1 cm de bord. On met le fromage sur le bord de la pâte, puis on roule l'excédent de pâte par-dessus le fromage. Parsemez le dessus de la sauce avec le fromage. Cuire la pizza 15 à 20 minutes à 220 degrés. Je tiens à rappeler que les références de cuisson diffèrent selon les fours utilisés. Une fois cuite, attendre quelques minutes et la pizza sera prête à être dégustée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner à la chaîne pour de nouvelles recettes fraîches, simples et techniques avec des résultats professionnels. À la prochaine !